Hello, hello, hello. Ben voilà, en fait, c'est un peu pour raconter les entre guillemets l'histoire d'un handicapé ou d'un amputé. Donc moi, je suis voilà, je j'ai aucun complexe. Je montre ma jambe sans problème parce que je suis l'ambassadeur de cette prothèse. Je suis l'ambassadeur de Limb Innovation à San Francisco et Autoboc dans le monde entier. Donc je montre ma prothèse parce que je promouvois ça. Et ce qui m'arrive, je suis tout le temps en short. Là, ce qui m'arrive, en fait, c'est imaginer une personne handicapée vraiment qui se sent mal dans sa peau, comment elle peut se faire agresser par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, je suis allé à la poste, donc je me suis appuyé sur le bord parce que je suis un peu blessé en ce moment. Je suis un peu blessé en ce moment. Donc, et une nana qui voulait que je me pousse parce qu'elle ne voulait pas faire le tour de moi, en fait, elle voulait passer devant. Et je lui dis, excusez-moi madame, il me manque une jambe, je peux pas bouger aussi facilement. Et là, elle commence à m'agresser. Donc j'ai filmé une partie. Vous allez voir, en fait, comment le handicap est vu, en fait, comment la mentalité de l'humain. En fait, c'est juste une catastrophe. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et les gens autour n'ont pas trop bronché. En fait, ils s'en fichent un peu. Donc, je demande aux gens un peu d'humanité et faire en sorte que le monde aille un peu mieux. Voilà. J'espère que tu me filmes pas. J'espère que toi tu me filmes pas. Pourquoi donc? Parce que déjà tu sais pas qui je suis, j'espère pour toi que tu me filmes pas, c'est compris ou pas? Ça fait quoi? Alors éteins ton téléphone parce que tu sais pas qui je suis. Bah, il y a même les caméras là. Ici ils ont le droit, ici ils ont le droit, toi t'as pas le droit de me filmer. Alors j'espère pour toi que tu me filmes pas. Parce que si je veux, j'ai ton identité dans l'heure. Alors ouais, éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone avant que je te lève ma main, je te gifle. Éteins ton Il y a mon téléphone. Identité sur Google, éteins vas-y. Ton téléphone. T'as mon nom sur Google. Éteins ton téléphone, je m'en fous, tu peux être qui tu veux, tu sais pas qui je suis. Éteins ton téléphone, vaut mieux pour toi, je vais te gifler. Excusez-moi, il y a d'autres choses à faire, on est en merde, là. Week-end. On rentre, on lui dit pardon et ça raconte. T'as une jambe en moi, je m'en bats les couilles de ta jambe en moi. Très bien. Et quoi d'autre? C'est bon, ça sert à rien. Je suis très calme. J'espère pour toi que tu me filmes pas. T'as pas le droit de me filmer, t'as compris? T'as pas le droit, tu sais pas qui je suis, éteins ton téléphone, je vais te gifler. Éteins ton téléphone. Gifle. Éteins ton téléphone. Gifle. Tu me montres non, si. Non, gifle. Non mais c'est pas qui je vais appeler. M'appelle qui tu veux? J'espère pour toi que tu filmes pas. Tu vas dormir en garde à vue ou alors tu vas te lever dans un hôpital demain matin. J'espère pour toi. Tiens, j'ai même deux téléphones, je peux te filmer avec deux téléphones si tu veux. Tu veux? J'espère pour toi parce qu'il va t'arriver de graves emmerdes. Handicapé ou pas, je m'en bats les couilles, il va t'arriver des histoires. Bravo. C'est bien. Wow. Juste parce que t'as pas pu faire le tour et t'es énervé. Non, juste parce que toi tu es impoli, juste parce que t'as voulu faire ta victime. Je rentre, je te regarde dans les yeux, pardon monsieur s'il vous plaît. J'ai une jambe en moins. Ah bon, est-ce que je marche comme ça moi? Et en plus tu me dis j'ai une jambe en moins, je te dis ah pardon, désolé, j'avais pas vu. En plus. Donc évite de te la fêter, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Vas-y. Je vais te foutre mon poing dans la gueule. Sauf que moi j'ai une immunité diplomatique, alors je vais te foutre mon poing dans la gueule. Frappe. Et celui qui va finir en frappe. Garde à vue, c'est toi, c'est pas moi. Frappe. Frappe. Même deux si tu veux. Frappe. Tu sais comment si je te touche, il m'arrivera rien en fait. Il m'arrivera rien. Bah vas-y, frappe. Il m'arrivera rien. Mais frappe. Bah frappe. Parce que si on n'a pas plus intelligent que l'autre, c'est de pas répondre, monsieur. Ouais. C'est vrai. Ça fait enfantin. J'ai rien demandé. On provoque, je réponds. Je suis pas une merde. Alors fermez-la et faites votre travail là-bas. Ne me faites pas chier. Non, il y en a un deux qui répond plus. C'est pas votre problème. À un moment donné, il faudra l'envoyer pour capter le numéro au bout d'un mois. C'est la fin de la session. Je change de numéro.